turn around and he cross me, yeah, that's a friend of me. Said he won't walk, but I'd rather just save my energy. Drinking my pain away, guessing that is the remedy. Driving the top, trying to do me like John F. Kennedy. I turn around and he cross me, yeah, that's a friend of me. Said he won't walk, but I'd rather just save my energy. Drinking my pain away, guessing that is the remedy. Driving the top, trying to do me like John F. Kennedy. Might catch me turning up, overdosing on Hennessy. Lost a couple people, only thing left is a memory. Just like an assembly, I'm dropping bars, you ain't catching all these similes. Out here in the field, trying to kick it, catch a penalty. Took my pain away, cause I'm guessing it's the remedy. Catch him down, we ain't showing him no sympathy. The ones that guard you most gon' be your family. Cup full, but lately my heart empty. Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les potes, je vais faire une vidéo. Bon, la vidéo sera séparée en 5 parties. Donc ce que je vais faire, c'est je vais ranger tous mes véhicules dans le garage parce que tous mes garages sont en bordel. Donc là, je commence par rapport à cet appartement parce que de base, j'avais l'appartement 500 000. Mais le fait que j'ai déménagé, donc j'avais un peu marre d'avoir tout le temps les mêmes appartements. Depuis la PS3, j'ai l'appartement 500 000. Donc là, je suis parti dans un appartement un peu normal. Donc le voici. Donc là, je vais un peu ranger mes véhicules parce qu'ils sont vraiment, vraiment en bordel. Donc là, c'est parti les refs. Donc en même temps, vous allez voir quel véhicule que j'ai dans mes garages. Donc là, voici mes véhicules qui sont ici. Donc ils sont un peu classiques et tout. Donc vraiment, il est pas mal. Comme par exemple, celui-là, il est c'est une 4x4, c'était la Duster V12. En gros, c'est un véhicule rare, mais bon, il faut que je le déplace parce que il est pas à sa place ici. Voilà quoi, il y a certains véhicules qui sont pas à leur place, donc je vais essayer de ranger ça un peu. Alors, déjà, voici mes vélos. Donc, j'ai deux BMX en jaune et en gris. Donc, pour ceux qui veulent savoir comment j'ai fait... comment j'ai pu avoir le BMX en couleur, dites-moi dans les commentaires et je vais vous expliquer en vidéo. Donc là, voici mes vélos, là c'est mes véhicules. Donc là, je vais changer de place parce que franchement, il n'a pas sa place du tout. Donc, on va commencer par le Ducodef. La Ducodef, je vais mettre ici. Hop là, ça va être remplacé, voilà. Ensuite... La Komoda va remplacer avec la Sugoi. Hop là, parfait. Ensuite, nous avons la Sultan Classic. On va le mettre derrière la Reaper. Hop là, parfait. Comment s'appelle ce véhicule? La F620. On va le déplacer avec la Duster. Ouais, ensuite, ce qu'on va faire ensuite... En fait, ce truc qui gêne, c'est que... Je veux bien... En fait, celui-là, je vais le mettre... En fait, je vais acheter un garage en plus pour mettre les véhicules non custom parce qu'il va passer en expérience car les véhicules qui sont non custom, ce sont des véhicules que j'ai gagnés au casino et j'ai pas eu le temps de customiser. Mais donc là, je vais faire en vidéo les véhicules que j'ai pas encore customisés en expérience. Donc voilà les potes. Donc vous savez déjà en avance ce que je vais faire. Donc ce véhicule va être déplacé. Celui-là aussi. Je pense qu'il y aurait peut-être celui-là. Celui-là, je pense que je vais le déplacer aussi. On verra. Bon, donc déjà, là, c'est bien rangé. Ouais, celui-là aussi, il n'a rien à faire là. Donc celui-là, je dois le déplacer aussi. Ça, c'est le véhicule que j'ai gagné au casino il n'y a pas longtemps. Donc, ouais. Donc là, du coup, celui-là va rester. Celui-là, je vais remplacer avec la Sugoi. Ok. Je vais changer la Outring. La Sub Outring, je crois. Comment il s'appelle? Oui, la Sub Outring, je vais remplacer avec la Sugoi. Hop là. Là, on est bon. Bon là j'ai trois véhicules à sortir, à déplacer. Donc c'est les trois qui sont ici. Ok, parfait. Donc moi ce que je vais faire maintenant, je vais aller ici. Hop là, je prends celui-là. On va l'amener dans la boîte de nuit. C'est parti les potes. Vous savez les potes, je vais changer d'idée. En fait, je vais mettre une partie, par exemple, je mets un garage qui est super sportif, ensuite une autre qui est sportif,
un autre qui est classique. Bon, vous avez compris, chaque garage a une fonction pour chaque véhicule, pour chaque spécialité. Si c'est super sportif, si c'est sportif, sportif classique, moto, etc. Bon, déjà le super sportif, je vais mettre dans deuxième garage, deuxième sous-sol. On va mettre dans le deuxième sous-sol. Alors, je vais mettre ça ici. Ah ouais. Par contre, celui-là, il va déplacer. Hein. Celui-là, je pense que je vais le mettre... oula. Celui-là, je vais mettre... C'est quoi comme... véhicule contact. Véhicule contact, je vais le mettre plutôt dans... Vous avez quoi pour l'instant? Je vais laisser ici pour l'instant. On va voir après où est-ce que je peux le mettre. Bon, là, j'ai récupéré la petite Italie GTO. C'est parti, les refs. Bon, les potes, je vais faire un petit clip pour mettre tous les véhicules qui sont les super sportifs dans le garage. Ça va aller pour vous beaucoup plus vite. Parce que si je fais, par exemple, je monte tout en roulant, ça va être super, super long la vidéo. Donc... je vais vous montrer tous les véhicules que je vais mettre dans ce garage et vous allez voir que le garage sera plein. Et après, je vais vous présenter tous les véhicules super sportifs dans ce garage. C'est parti les potes! En fait, non. J'ai une meilleure idée les potes, j'ai une meilleure idée. Vous voyez le garage que j'ai, l'atelier auto? En fait... tous les voitures qui sont du DLC de ces Santa, je vais plutôt mettre tous les véhicules de cet atelier auto, donc ce sera meilleur. Donc en gros, c'est comme si c'est le groupe de DLC qui est ici. On va dire que, ouais, voilà quoi. En gros, chaque fonction fonctionne la même chose. Donc il y a beaucoup de véhicules qui a pas sa place. Donc vous voyez ce véhicule, c'est pas un super sportif, mais vous voyez que c'est les véhicules que j'ai fait des tests. Donc, ou les expériences, donc ce que je vais faire, je vais mettre plutôt, je vais bien ranger mon garage pour que ça soit plus vivante, vous voyez quoi. Donc, allez, c'est parti, ça va dans le garage 2, deuxième sous-sol. Donc, ouais, franchement, je vais faire ça parce que si je mets que les super sportifs, du coup, faut que je déplace le véhicule qui est dans mon atelier auto, qui est la Calico. GTS ou GTX. Bon, ça c'est la Krieger, ça c'est la Italie GTO, ça c'est la Reaper, ça c'est la Briozo 3000. Donc, ouais, franchement, c'est. Pour mieux que je fasse, il faut que je fasse un petit rangé ici. Donc, il reste un petit rangé ici. Mais je pense que ce véhicule, je vais changer de place parce qu'il n'a pas sa place ici. La petite Nuit F Drafter. Ça, c'est le véhicule que j'avais depuis longtemps. Mais regardez son style, il est en mode RP. Vous avez vu comment il est beau? Il a un style, on va dire, assez normal, donc c'est comme ça que j'aime les véhicules. C'est un petit custom, mais pas trop abusé non plus, donc franchement, le véhicule est vraiment, vraiment très joli. Rien à dire. Ça, allez, ça va dans le garage de sous-sol 2, deuxième sous-sol. Hop là, la petite 8F Drafter. Franchement, le véhicule est vraiment très beau, hein. Il est super beau, le véhicule, je kiffe beaucoup. Donc, ouais, franchement, il est vraiment très beau, hein. Regardez ça. Il a vraiment une très très belle classe, hein. Franchement. J'aime bien la customisation que j'ai mis. Hein. Un petit aileron qui est pas du tout abusé. C'est un tout petit. Et avec un petit carbone en haut. Donc ouais, franchement, il est vraiment très joli. Il est vraiment pas mal. Bon, là, je dois rappeler encore un autre véhicule. Et je sais qu'est-ce que je vais appeler. Je vais appeler la petite Mercedes. Vous allez voir quel genre de Mercedes c'est. En fait, toutes mes garages a des véhicules qui sont vraiment, vraiment mélangés. En gros, c'est comme s'il y a des véhicules contact, il y a des sportifs, il y a des motos ensemble. Donc, franchement, il n'y a pas leur place. Donc, oui, faut que je range un peu le garage, hein, parce qu'il est vraiment, vraiment bordel. Donc, je vais appeler la petite Mercedes. C'est parti, les refs. Voici la petite Mercedes que j'avais gagnée au casino. Bon, en fait, je vais faire une vidéo pour vous montrer quel véhicule que j'ai gagné au casino parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de véhicules gagnés au casino. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est la petite Challenger GT. Donc, regardez comment il s'appelle. La Benefactor Challenger GT. Franchement, le véhicule est vraiment très joli. Il a un très, très, très bon style.
Mais je sens que je vais customiser dans pas très longtemps parce que j'aime pas que les véhicules soient classés comme ça. Donc il faut que je les customise un peu. Mais je vais voir ça après. Pour l'instant, je dois ranger mon garage bien propre. Hop là. Donc là maintenant, il a sa place vraiment très jolie. Alors maintenant, le prochain véhicule, vous allez voir qu'est-ce que c'est. Parce que je ne sais plus comment il s'appelle ce véhicule. Là, on va dire que c'est plus une vidéo chill. Bon, je ne sais pas pourquoi mes contacts m'appellent, mais franchement, ça appelle tous les 5 secondes. Hein. Oh là 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 là. Bon, le véhicule, c'est la petite XA21. Franchement, c'est le véhicule que j'ai gagné encore une fois. Attendez, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est le véhicule que j'ai gagné au casino. Donc, oui, franchement, j'avais de la chance. J'étais niveau 17 à peu près. Et j'avais gagné ce véhicule. J'étais hyper, hyper content. Donc, le véhicule est vraiment, vraiment très rapide. Il est très, 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 très rapide. Donc, pour ceux qui n'ont pas ce véhicule, le véhicule est vraiment, vraiment pas mal. Il est très contrôlable. Il y a un très bon son du moteur. Et voilà quoi. Il est magnifique quoi. Il n'y a rien à dire. Mais je vais changer un peu du custom parce que j'avais mis ce custom depuis très 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 longtemps et du coup j'ai jamais changé de customisation. Mais franchement, il est pas mal, hein? Il est vraiment très joli. Prochain véhicule. Là, ce véhicule que je vais mettre là, c'est la petite Comet SR. La petite Cypher Comet SR. Donc le véhicule est vraiment très joli. Regardez ça. Il a la classe, vraiment la classe, la classe, la classe. Et c'est une sportif en plus. Donc, ah ouais, franchement, il est très beau. Ah ouais, franchement, je suis bien content que j'ai bien customisé. C'est le véhicule aussi que j'ai gagné au casino aussi. Donc voilà les potes. De toute façon, je vais faire une vidéo pour vous montrer quel véhicule que j'ai gagné dans le casino. Parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de véhicules gagnés au casino. Vous allez voir que j'ai eu beaucoup de chance dans cette période. Et là maintenant, c'est que des t-shirts, que des clothing que je gagne. Mais sinon, à l'époque, c'était que des voitures. Donc regardez ça. Il a un style rouge, je crois c'est rouge Torino ou non Torino mélangé avec du jaune ou orange, je crois c'est du jaune. Ouais, mélangé avec du jaune. Alors franchement, il est vraiment vraiment très joli. Je kiffe beaucoup ce véhicule. Il est vraiment vraiment très joli. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez beau les véhicules et dites-moi quel véhicule que vous préférez vraiment vraiment. Donc là, il me reste le dernier véhicule et on va le mettre dans le petit garage de la boîte de nuit. Et je pense attendez, je réfléchis. Ah non, j'ai encore deux véhicules. Il y a celui-là qui a pas sa place, la petite voiture rouge, la petite Brioso 3000. Et il y a celle-là aussi. Il y a la place ici aussi. Donc il y a encore deux véhicules à déplacer. Et on va voir quel véhicule je vais déplacer. C'est parti les potes. Le véhicule que je vais déplacer maintenant, c'est la petite Komoda. C'est le véhicule qui est vraiment, vraiment très joli dans GTA V. Franchement, c'est le véhicule vraiment, vraiment très pas, vraiment pas mal. Lampadati Komoda sportif. Il est super, super beau. Vraiment super, super beau. Super beau. Super, super. On va ranger cette bolide. Regardez l'intérieur, les potes. L'intérieur est un peu. Ouais, il est un peu. Il est un peu. Nouveau haut de gamme, mais ça va, franchement, ça va, c'est pas méchant. Mais regardez son style, les gars. Ah, ouais, franchement, il est vraiment très beau. Vraiment, vraiment très beau. Oh là là, je kiffe. Alors, on va mettre dans le deuxième garage aussi. C'est parti. C'est le véhicule que j'utilise presque beaucoup dans GTA. Vraiment, il y a celui-là que j'utilise beaucoup, beaucoup dans GTA. Et il y a un véhicule aussi. Non, le véhicule n'est pas là. Attendez, laisse-moi réfléchir. C'est quel véhicule j'utilise beaucoup. C'est bon, il y a la MK2 parce que bon, la MK2 c'est un peu basique. Et d'après moi, il y a un autre véhicule encore. Attends, je vais voir quel véhicule j'utilise beaucoup. Et on va remplacer avec la Brioso qui est là-bas. Donc, on va voir ça tout de suite, les potes. Les potes, le véhicule que j'utilise beaucoup, c'est le véhicule où j'ai fait beaucoup d'épisodes depuis le combat de la team Icola. C'est la Vigero. Z, comment ça s'appelle? ZX, la Vigero ZX, gros cylindré. Ah non, je ne peux pas le mettre parce que c'est un gros cylindré. Oh là là, quel véhicule je peux mettre? Quel véhicule? Quel véhicule? Réfléchissons. Ah, je sais quel véhicule je peux le mettre.
Bon, ça, je ne peux pas. Désolé, la petite Vigéro, ce sera pour la prochaine fois. Et le véhicule, c'est celui-là. Voici ce véhicule que je n'utilise plus. Vraiment, je n'utilise vraiment plus. Et c'est la petite Vieilleri. Ah ouais, mais franchement, je n'aurais pas pu réussir. Hein. J'aurais pas pu réussir à dire son prénom. Hein. La Bravado Vieilleri. Ah ouais, c'est chaud. Bon, ce véhicule, je le mets dans le garage 2. On va le... Vous devez retirer un véhicule, oui. C'est quel véhicule je vais retirer? C'est la Brioso 3000 que je vais retirer. Il n'a pas sa place. Voilà, ben, il a tout compris. Il a tout compris, le jeu. Voilà, très bien. Là, on est bien. Là, franchement, on est bien. Attendez, je vais... Il y a encore un petit truc à faire, vite fait. On va là. On va remplacer ça avec la Komoda. Voilà, parfait. Là, on est bon. On est vraiment, vraiment bon. Voilà. Bon, là, c'est le premier garage que j'ai rangé, les potes. Il y aurait 5 parties, les potes. Regardez le garage. Il est vraiment très joli. Nous avons la Komoda, la Reaper, la Italy GTO, la Krieger, la Loctus, la Verliere, la Bravado Verliere. Bon, j'ai un peu du mal, c'est pas grave. La Cobette SR, la petite XA21, la petite Challenger GT et la petite Obey 8F Drafter. Donc, voici les 10 véhicules présents dans ce garage du deuxième sous-sol de la boîte de nuit. Donc, les potes, je vous dis, regardez ça. Franchement, il est vraiment très beau. Bon, les potes, on se retrouve pour le prochain épisode pour ranger le troisième sous-sol de mon garage de la boîte de nuit. Et moi, les potes, je vous dis à tout à l'heure et ciao, ciao!